Mesdames et messieurs, passons sans transition à la finale. Championnat de France, senior, classe A, moins de 52,5 kg. Prévu en 5 reprises de 3 minutes. Les combattants ont été pesés ce matin même dans la galerie marchande de la Croix d'Empierre qui nous a accueillis pour officialiser les pesées. Au coin rouge, le BMTC 92 d'ici les Moulineaux, les Hauts-de-Seine, emmené par Biga Tijani, assisté de Soraya et de Régis. 21 ans, 1m61, 52,1 kg à la pesée officielle, 10 années de pratique, totalisant à ce jour 30 combats, 24 victoires dont 2 matchs nuls. Au coin rouge, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous demande d'accueillir chaleureusement Tony Zelitam. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, son adversaire nous vient du département de la Marne, un club voisin et ami. En effet, le face-à-face de Reims, emmené par Jean-Marc Guyot, assisté de Douglas, 23 ans, 50,7 kg, 1m78, 6 années de pratique, 16 combats, 11 victoires. Pour vous, public, pour votre département et pour cette finale, au coin bleu, Khalil Kassimi. Thank you.
points rouges. Tony Zedlidam du BMTC 92 d'Issy-les-Moulineaux. Au point bleu, Khalil Kassimi du face-à-face de Reims dans la Marne. Au terme de cette rencontre, Monsieur Valentin, président de l'Office municipal des sports, est convié sur le ring pour la remise de la ceinture. Et à ses côtés, Monsieur Tison, le directeur de Flunch, le restaurant Flunch, et l'Office municipal des sports pour la remise des récompenses à la proclamation officielle du résultat. Vive autrement toutes les facilités, la fraîcheur, la qualité de service. Les plats du jour et également une carte exceptionnelle, le tout au meilleur prix dans une ambiance chaleureuse. Merci à Flunch qui m'ont accueilli ce midi pour restaurer l'ensemble des combattants des officiels, mais également au cœur même des infrastructures de la dernière marchande de la Croix d'Ampierre. Flunch parfaitement intégré dans son centre commercial pour nous satisfaire. Un remerciement particulier à l'association des commerçants et artisans de la Croix d'Ampierre, la galerie marchande. 65 boutiques et 6 restaurants de la Croix d'Ampierre. Il reste le
Nothing can stop me, I'm all the way up. Travaille moins avant pour passer ton cours, mais faut que tu travailles. Par contre, faut que tu sois actif. Là, t'as été. T'as été un peu endormi sur le coup. Hein, si tu perds le premier, je m'en fous. Mais par contre, maintenant, les 4 trous, tu les gagnes. D'accord, hein. Donc, tu fais attention à ce point arrière. Hein. Tu fais attention, hein, pas te faire toucher comme ça bêtement. Hein, sois vigilant. Tu peux changer de garde quand tu veux. Là, je suis bien en fausse. En fausse, ça va? Ok, bon, alors si tu travailles en fausse, travaille qu'en direct parce que t'as vu des crochets, ils passent à côté. Travaille qu'en direct, t'es plus grand que lui, travaille à ta distance. Hein, le laisse pas travailler à sa distance, là il rentre encore à corps. Donc tu le repousses soit en front kick, soit avec ton point arrière, soit ton genou arrière. Mais par contre, il faut être actif. Il faut le faire taper dans le vide, il faut repartir derrière. Maintenant, il faut marquer les points. Tu l'as laissé marquer les points dans le premier, tu sais qu'il a le premier round pour lui. Maintenant, le 2, 3, 4, faut, le 2, 3, 4, 5, faut que ça concourt. Ok. D'accord. Flunch, centre commercial. Là, comment je peux l'avoir? Point arrière, mais il faut que tu sois actif. Si t'es pas actif, si tu bouges pas la tête, c'est que t'es pas actif. Là, t'étais pas dedans. Maintenant, t'es dedans, t'as fait le premier round. T'es pas fatigué, t'as pas fait grand chose. Donc maintenant, je veux que tu bouges et que tu te sois réveillé. Là, t'étais pas dedans, d'accord? Donc maintenant, tu te mets dedans, tu bouges tes fesses, d'accord? Maintenant, je veux devoir marquer les points. Hein, et tape dans les jambes ou en high kick. Dans les jambes ou en high kick, sinon il va t'attraper. Ouais, va t'attraper. D'accord, hein, tu peux éviter le corps à corps, c'est intelligent pour éviter le corps à corps. Hein, sinon, il va marquer les points. Soigneur, second, hors de ring, s'il vous plaît, merci. L'appel au centre. Soigneur, s'il vous plaît. Hurricane Fighting, finale du championnat de France, classe 1 moins de 52,5 kg. Deuxième reprise. Yeah!
secondes reprise. C'est mieux, c'est comme ça. On peut pas savoir si tu l'as gagné ou perdu, celui-là, c'est entre les deux. Pour moi, il a à peu près nul. Donc maintenant, le troisième, quatrième, cinquième, par contre, ceux-là, il faut que tu les gagnes. Il faut que tu les gagnes haut la main. D'accord ? Tu lui fasses la misère pendant 3 rounds. D'accord ? Là, il faut que tu bouges la tête, tu travailles contre toi, avantage en arrière. Il faut que tu varies sans arrêt les enchaînements. D'accord ? Il faut que ça pleuve les enchaînements, parce que sinon, t'as vu, il te prime un peu, il te snob un peu, hein, parce qu'il est pas forcément sûr de lui. D'accord ? Donc fais-le douter. Mais par contre, je veux que tu restes dans ta distance longue, t'es grand. Utilise cette distance longue. Hein, le laisse pas rentrer en distance courte. Voilà, il travaille avec ton bras avant qu'il puisse pas avancer. Hein, sinon, il se jette sur toi, lui. Il attend que ça d'aller faire du corps à corps, il est plus petit. D'accord ? Donc je veux que tu multiplies les attaques et que tu changes de niveau. Ok ? Hein, bon, maintenant, t'es dedans. Hein, maintenant, les 3 rondes, c'est du sparring, mais tu vas travailler fort. Si tu veux gagner, t'as pas le choix, Khalil. Hein. Maintenant, c'est 3, 4, 5, on y va à fond. Ok ? Allez, on y va. Si tu veux être champion de France, t'as pas le choix. Hein. D'accord ? Maintenant, t'es là pour ça. Travaille en jambes. Faut pas qu'il puisse avancer. Non. Faut que tu lui tapes dans les jambes. Tape à la tête, sans arrêt, mais pas que sur un coup. Tu peux faire des enchaînements. Les gauches crochets, gauche low kick, tu vois, des trucs simples. Ouais, mais faut que tu lui serves des enchaînements réguliers, hein, parce que sinon lui il s'installe. Allez, on y va. 3 rounds, tu gagnes. 3 rounds. Si tu me perds le prochain, tu risques de perdre, sinon après tu vas être obligé de te lancer dedans pour le mettre KO. C'est stupide. D'accord ? Soigneur Andurix, s'il vous plaît. Second, merci. Nakoué au centre. Mesdames et messieurs, finale du championnat de France, classe A, moins de 52,5 kg, troisième reprise. Voilà.
du troisième round. Une enseigne incontournable. En effet, avec Carrefour J'optimise, ouvert du lundi au samedi, de 8h30 à 21h pour mieux vous servir. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux gagner ou pas? Alors, faut t'arracher maintenant, Galé. Là, faut t'arracher. T'as pas le choix. Les deux derniers, faut que tu montes que t'es là. Faut que tu tapes tes jambes. Tu tapes tes jambes, que tes poings. Fin de tes jambes pour placer tes poings. Fin de tes poings pour placer tes jambes. Fin de tes poings pour placer tes jambes. Fin de tes jambes pour placer tes poings. Sois intelligent. Tombe pas dans son jeu. Bah toi, si tu tombes encore à corps, marque un max de points, t'as pas le choix maintenant. Maintenant, faut que tu montes. Il faut pouvoir c'est limite. Maintenant, t'es chez toi, mais maintenant, effectivement, t'es le patron. Hein, sinon tu te fais un coup d'un top, t'as vu, un coup de frime, et puis ils vont le regarder travailler. D'accord. Maintenant, faut que tu travailles, Khalid. Hein, t'as plus le choix. T'as plus le choix pour que tu fasses les deux autres à fond. Arrête encore, Il esquive, il vient direct derrière. Ouais, mais tu sais, c'est le kick. Tu sais, t'es malin. Respire. Concentre-toi, ça va. Tu peux faire deux rondes à fond. Soigneur second, Eric Soblet, Jacques au centre. Merci. Et vous, public, pour cette quatrième reprise de cette finale du championnat de France, vos applaudissements. Thank you.
de la quatrième reprise. Mais t'as pas de garde, c'est normal, t'as pris un contre. Mais je sais, mais bon, bah toi t'as plus le choix. Maintenant faut que tu le retouches encore à nouveau. Mais... au cinquième, hein. T'as pas le choix. La guerre au cinquième, t'as pas le choix. Le cinquième, faut que tu y rentres dedans sans arrêt. Vide-toi les tripes, faut y aller chercher dans tes tripes maintenant. T'es fatigué, je m'en fous. Je m'en fous, si tu veux gagner, t'as pas le choix. Oui, je vis à la folle. Bah, c'est à toi, mais travaille tes coudes, tout à l'heure tu l'as touché. Il est pas forcément bien remis. Travaille pas tes coudes, touche-le, fais-lui mal. Fais-lui mal, c'est maintenant. Avalanche de coups, faut avancer, avalanche de coups. Là, tu peux pas faire ça. Cinquième, va chercher le chaos, cinquième. Cherche le chaos, cinquième. Attends, je peux pas te dire autre chose, cherche le chaos. Mais sans te jeter, sans téléphoner. D'accord, parce que ta droite, elle passe par-dessus sa tête à chaque fois. La gauche, tu veux dire. Donc quand tu vas envoyer ton point arrière. Quand tu vas envoyer ton point arrière, il passe par-dessus. Tu téléphones trop et comme il est petit, tu passes par-dessus. Voilà, donc t'as pas le choix, t'es le dernier, tu cherches le chaos pour le dernier. Je veux que tu lui mettes une avalanche de low kick, une avalanche de coups. Et tu sais le faire, à l'entraînement tu le fais. Attends, t'as le cinquième round pour gagner. Si tu gagnes pas celui-là, t'es marrant. D'accord ? Et t'es capable de le faire. Fais-moi la guerre, fais-lui la guerre. Touche-le, compter au cinquième. On met le KO. Pas le choix. Réveille-toi maintenant, Khalil. Donc tu te sors tes tripes, Khalil. Tu vas perdre sinon. C'est là que ça va se passer. Réveille-toi. Soigneur hors du ring, Nathalie au centre. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vos encouragements. La finale, cinquième et dernier round.
pour officialiser le titre, la remise des trophées. Nous convions Monsieur Valentin, président de l'Office municipal des sports, et à ses côtés Monsieur Tison, directeur du Flunch de Châlons-en-Champagne du centre commercial Carrefour. Monsieur Tison et Monsieur Valentin sur le ring, s'il vous plaît. Championnat de France, senior 1, moins de 52,5 kg. Au terme des 5 reprises de 3 minutes, est déclaré vainqueur et champion de France à l'unanimité des juges. Avec vos applaudissements, au coin rouge, Tony Zellinam. This was the best of all.